Bonjour et bienvenue pour cette 259e édition de Un jour un comics, l'émission d'OriginalComics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, les meilleures nouveautés disponibles sur OriginalComics.fr. Aujourd'hui on va parler de Batman, on va parler de Batman numéro 15, déjà le numéro 15, magnifique couverture une nouvelle fois. Une couverture signée je ne sais pas qui d'ailleurs, c'est qui a fait la couverture? Blam 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 blam, cover, Stéphanie Hans. Oh c'est Stéphanie Hans, la française qui a fait la couverture, elle est belle. Au scénario c'est Tom King qui est là depuis le relaunch, premier arc qui s'appelait I Am Gotham, dessiné par David Finch. Deuxième arc qui s'appelait I Am Suicide, dessiné par l'incroyable Michael Janin. Et là, on a une petite parenthèse de deux pages qui s'appelle Rooftops, où Batman et Catwoman se rencontrent sur un toit. Voilà. C'est pas trop le pitch, mais c'est surtout... voilà l'occasion de renouer une vieille romance, vieux serpent de mer qu'on avait vu dans plusieurs comics, qui avait fait beaucoup parler dans les épisodes de Catwoman dessinés par Guillaume March, où il nous a montré une Catwoman un petit peu, peut-être un petit peu trop légère, on pourrait le dire. Moi ça m'avait pas choqué, mais certains avaient pu l'être. On peut également signaler bah, évidemment que dans le Batman Silence, Batman Hush, il se tournait déjà beaucoup autour, mais bon c'est une vieille histoire, Catwoman et Batman. Donc voilà, graphiquement c'est à tomber par terre. C'est le dessinateur, s'appelle, j'ai oublié son prénom, il s'appelle Mitch Gerard. Je ne le connaissais pas avant parce qu'il a dessiné les deux numéros de cette petite respiration. C'est absolument magnifique ce qu'il fait, ce mec, c'est absolument génial, c'est d'une beauté sans nom, et cet épisode est vraiment 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 super. C'est vraiment absolument absolument délicieux, et je suis complètement séduit parce que pour le moment je vais pas vous montrer les dernières pages, ce serait vous spoiler, mais c'est complètement voilà, c'est complètement réussi, c'est vraiment une plus qu'une réussite cette parenthèse de deux épisodes, et la série Batman depuis le début tient ses promesses. Sachez que l'arc d'après commence à partir du numéro 16 et qu'il sort très vite parce que vous savez il y a un épisode tous les 15 jours, il s'appelle I Am Bane, toujours Tom King au scénario, et au dessin le retour de David Finch qui avait dessiné également l'Annual, qui a très très bien marché d'ailleurs sur OriginalComics.fr. Voilà, regardez ce dessin comme c'est magnifique. Voilà, et si vous avez raté les deux premiers arcs, ils sont disponibles en TPB sur OriginalComics.fr, donc en relié souple, et le tome 1 sort chez Urban, vous le savez, au mois de juin en hardcover, en couverture en dur, le tome 1, donc Je suis Gotham, sort tout simplement, voilà, à l'occasion de DC Rebirth. En France, voilà, tout simplement. C'était la 259e émission. Vous savez tout. L'épisode est disponible, bien entendu, sur originalcomics.fr. Je vous invite à sauter dessus, à vous en délecter. Moi, j'adore Batman. J'ai acheté les 52 de New 52. J'en suis déjà au 15e. Voilà, je continue à lire des Batman. J'ai jamais lu autant de Batman. Tant que c'est bon, on en lit et on se fait plaisir. À très vite. Salut.